Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons passer ensemble une heure de temps. Et durant les 60 minutes, nous allons nous dire beaucoup de vérités en ce qui concerne les business que nous faisons. Aujourd'hui, c'est une conférence un peu spéciale. Ça me permettra de vous donner mon point de vue sur certaines situations, sur certains cas, pour ce que nous faisons en tant que entrepreneur en ligne. OK? Donc, c'est de ça que nous allons parler. OK? Nous allons parler de Crowan, bien sûr, mais pas seulement de Crowan. Nous allons parler du métier que nous exerçons, des dispositions que nous devons prendre pour que nous puissions exercer ce métier-là dans nos pays en toute quiétude. Donc, ne vous attendez pas à une conférence habituelle telle que bon, vous présentez le plan business, Crowan. Non, je ne ferai pas ça aujourd'hui. OK? Nous avons été à une rencontre avec le ministère de l'économie et des finances. Et là-bas, j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et je serais stupide si je ne change pas ma manière de fonctionner. Et je serais stupide si je n'aide pas mes frères à connaître la vraie vérité et à s'organiser en conséquence. Vous avez compris ma phrase là? Je vais reprendre. Excusez-moi pour le bruit, le son là, c'est pour que des gens, souvent les gens rentrent dans la salle. Je n'ai pas accepté, je ne peux pas en aller à ça. Donc, souvent, j'oublie, s'il n'y a pas la tonalité là, je ne pourrai pas savoir, ils vont rester longtemps dans la salle d'attente. Donc, si ça fatigue un peu vos oreilles, tout ça, quoi. Okay. Bien. Donc, je suis en train de vous dire des choses. Je vais vous dire des choses très importantes, les gars. OK? Et puis, sachez discerner ce que je vais dire. Sachez discerner et sachez capter l'essentiel pour vous-même, pour vos affaires. Vous comprenez? Donc, je reprends. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lambert Kouassi. Habituellement, je fais des conférences pour des business parce que j'ai une structure dont le rôle est de former les gens dans les métiers pour que depuis leur maison, ils puissent exercer ces métiers et lutter contre le chômage. Mon entreprise a été créée officiellement cette année, mais c'est en décembre là qu'on va commencer nos activités. Le nom de mon entreprise, c'est Rotralidan. Rotralidan. Donc, j'interviens ici aujourd'hui devant vous en tant que le gérant de l'entreprise Rotralidan. Alors, je vais vous lire un peu son registre de commerce, ce qu'elle fait. Les statuts et règlements de Rotralidan. OK? Déclaré au CPC. OK? Au niveau des impôts. Alors, le régime de commerce, il y a beaucoup de choses dans le régime de commerce. OK? Mais je vais vous dicter ce qui me permet de faire cette conférence devant vous. Alors, dans mon registre de commerce, l'objet, la société a pour objet en Côte d'Ivoire de faire quoi? De faire de la formation et du coaching. Formation et coaching. Et puis, je peux faire aussi le e-commerce. Le e-commerce, le commerce en ligne. OK? Et puis, des prestations de services divers.
Donc, j'interviens ici en tant que le fondateur de Rotralida, qui est une entreprise, une société à responsabilité limitée. Bien. Pourquoi je vous dis ça? Je vous disais tantôt que la dernière fois, j'ai eu le privilège d'assister à une séance de travail au ministère de l'économie et des finances. Et je ne suis pas là pour faire un compte rendu. Ce n'est pas mon droit, ce n'est pas mon devoir. Il y aura une réunion pour tous les membres de Krawan en Côte d'Ivoire où on va leur rendre compte. Mais je dis, pour avoir participé à cette réunion, j'ai eu la grâce d'écouter beaucoup de choses, de retenir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Et donc, si au sorti de là, ma façon de travailler ne change pas et que je n'oriente pas ceux qui me suivent sur la bonne voie, je serai stupide. Voilà, en tant que leader. Donc, je dis que du coup, ma façon de fonctionner change. Je vais agir désormais selon le fonctionnement de mon entreprise. Et non pas comme vous avez l'habitude de connaître un Lambert Kouassi qui se prend devant vous et qui vous présente un business. C'est très important sur un outil. Surtout quand je suis en Côte d'Ivoire. Donc, pour vous qui me suivez de l'extérieur, bon, vous, il n'y a pas grand impact, il n'y a pas grand changement. Mais pour ceux qui me suivent en Côte d'Ivoire, je fonctionnerai désormais en tant qu'homme d'affaires ou en tant que chef d'entreprise d'une autre façon. Et dans mes présentations des opportunités, ça change un tout petit peu. Donc, comme beaucoup d'entre vous êtes venus ici pour suivre une conférence certainement de Krawan, je vais vous dire que désormais, je ne présenterai pas les choses de cette manière. Et voilà comment je présenterai les choses désormais. OK? Et c'est sur cette base que je vais présenter Krawan et puis peut-être un autre métier que vous pouvez exercer. Alors, moi, j'ai un cabinet. C'est mon entreprise, OK? Le rôle de ce cabinet, de cette entreprise, c'est de former les gens, de coacher les gens, de développer les gens, pour que les gens eux-mêmes puissent rester chez eux à la maison et travailler. OK? Rester chez eux à la maison et travailler. Mais rester chez vous à la maison et travailler dans n'importe quel pays, quand vous le faites, au tout début, c'est bon. Mais à un certain moment, vous devrez aller vous déclarer. De n'importe quel pays. Ceux qui sont dans ces salles-là, si vous êtes béninois, vous êtes togolais, la même réglementation, c'est dans tous les pays. Vous partez déclarer que ah, je travaille en freelance. Je travaille en freelance et donc j'ai commencé à exercer un métier qui me donne un peu d'argent quand même. Et donc j'aimerais quand même payer mes taxes ou mes impôts. C'est en cela qu'on vous prendra au sérieux. Que tu sois ivoirien ou pas, hein, c'est quand tu vas faire ça qu'on va te prendre au sérieux. Ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas parce que je suis parti à cette rencontre que j'ai vu ça au sérieux, que je prends ça au sérieux. C'est parce que d'abord, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Je vous ai montré tout à l'heure, moi, mes papiers que j'ai mis en place, quand j'ai commencé à me rendre compte que mon métier d'affilié commence à prendre de l'ampleur, je suis parti créer mon entreprise. Et c'est sur cette base de cette entreprise que moi, Lambert Kouassi, je vais agir désormais. Ce n'est pas maintenant que j'ai créé. Ce n'est pas hier que j'ai créé. J'ai créé l'entreprise, ça fait plus d'un mois maintenant. D'ailleurs, même, il risque d'avoir des pénalités puisque je n'ai pas eu d'activité alors que j'ai tous les papiers. Donc, je risque d'être pénalisé d'ailleurs. Mais ça, on va gérer ça aux impôts là-bas. Parce que quand tu n'es pas prêt,
Tu ne dois pas faire tous les papiers. Et j'ai fait tous les papiers et je n'ai pas encore commencé mes activités compte tenu de la situation de mon pays. Bref, je suis en train de vous dire, si tu fais du marketing de réseau et que tu gagnes au moins 500 000, 1 million par mois, tu ne dois pas rester dans ça sans te déclarer. Ça, c'est comme ça dans tous les pays. Si tu fais quoi? Du marketing d'affiliation et que tu gagnes des millions par mois, tu ne dois pas rester là comme ça pour dire, bon, moi, mon affaire, là, c'est sur Internet et donc je n'ai pas à payer les taxes. Tu dois payer les taxes. Tu dois payer les taxes. Et donc, vous allez me dire, mais monsieur quoi, c'est toi-même. J'étais à la mairie. Je payais les taxes à la mairie. Et c'est quand j'ai voulu maintenant faire la formation. Quand j'ai fait le Kawan, je payais mes taxes à la mairie. Vous voyez, moi, j'ai un bureau. Vous comprenez? Et donc, comme j'ai vu que je veux lancer la formation et aller à un certain niveau pour encadrer vous qui me suivez, c'est très important, c'est par rapport à vous qui me suivez. Et que je dois avoir une salle et que les gens viennent apprendre un métier, j'ai décidé de monter une entreprise. Et cette fois-ci, je ne serai plus à la mairie, mais je serai maintenant aux impôts. Donc, je suis en train de vous dire des choses très importantes. Je vous ai dit que j'ai participé à une réunion avec le ministère de l'économie et des finances au sujet de CrowdOne en Côte d'Ivoire. Et que, vu ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, si vous devez développer un business en tant qu'affilié indépendant, il y a certaines dispositions que vous devrez prendre pour ne pas qu'on vous fatigue. Si vous gagnez l'argent 7, mais que vous ne payez pas des taxes qui concernent des vous voyez, il y a des commerciaux qui travaillent en freelance. En freelance, c'est-à-dire, tu n'es pas lié à une entreprise, donc aucune entreprise ne débite l'argent sur toi pour payer des impôts. Parce que quand tu es employé dans une entreprise, sur toi, il y a des taxes. Comprenez? Donc, sur les salaires, là, on prélève des taxes. Et qu'on verse à l'État. L'entreprise prélève des taxes qui sont versées à l'État de Côte d'Ivoire. Faut bien entendre. Mais là, tu travailles à ton propre. Donc, c'est toi-même, tu dois te lever de ton propre chef. On lui dit, ah, c'est vrai, ça fait un an, j'ai testé quelque chose. Et maintenant, on rentre dans la deuxième année, ça devient intéressant pour moi. Donc, en tant que bon citoyen, je suis venu pour déclarer. Ils vont nous demander, mais tu viens dans quel régime? Tu vas prendre le régime impôt synthétique, un montant fixe, tu payes chaque mois. Mon conseil, de ce que j'ai entendu, si toi, Ivoirien, tu veux développer ton business, tu dois faire cela. Et comme moi, j'ai lancé mon entreprise et que j'ai tous les papiers pour former des gens et pour coquer des gens. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment moi je vais fonctionner désormais. En fait, je vous le dis, ce que je vais vous dire maintenant là, je ne vous le dis pas. Vous pouvez venir passer par moi pour faire quoi que ce soit pour votre business. Mais je vous le dis parce que jusqu'alors, je faisais des conférences et vous me suivez. Conférences sur quoi? Sur le marketing de réseau. Des gens m'écoutent. Dans cette salle, il y a des gens qui me suivent dans le marketing de réseau. Dans cette même salle, il y a des gens qui me suivent pour le marketing d'affiliation. Dans cette même salle, il y a des gens qui me suivent pour le e-commerce. Voilà les trois choses importantes pour lesquelles j'ai fait une formation. Moi-même, j'ai une boutique en ligne et j'apprends aux gens comment mettre sur pied une boutique. Donc, c'est du e-commerce. J'apprends aux gens comment faire le vrai marketing de réseau de façon professionnelle. J'apprends aux gens comment faire le marketing d'affiliation de façon professionnelle. J'ai lu des livres, je vais les présenter. Si vous les lisez, votre vision des choses va carrément changer. Si vous lisez ces livres, votre vision des choses va carrément changer. Bon, je vous conseille le Code des affaires de Robert Kiyosaki et de Sharon Lecter.
J'ai pris mon temps pour lire ce livre-là, L'école des affaires, de Robert Kiyosaki. Ils sont deux à écrire ce livre, Robert Kiyosaki et Sharon Lecter. Ce sont les deux qui ont écrit le livre. J'ai lu ce livre. C'est très important ce que l'on a dit. C'est pour aboutir à une conclusion que vous sachiez comment vous devrez fonctionner dans votre business pour être tranquille, pour développer votre affaire tranquillement dans votre pays, surtout en Côte d'Ivoire. Et comme c'est comme ça, moi, je vais fonctionner, c'est pour ça que je vous argumenter pour arriver à une conclusion. OK? Donc, soyez patient et puis écoutez, s'il vous plaît. J'ai lu aussi ce livre-là. L'entreprise du 21e siècle. De qui encore? Robert Kiyosaki. Si tu lis ça, là, si tu lis ça, et puis tu lis ça, ta vision du marketing de réseau va carrément changer. C'est-à-dire, tu ne vas pas fonctionner comme, on dit bien l'entreprise du 21e siècle, entreprise du 21e siècle, ton entreprise du 21e siècle. Si tu lis ça, ta vision du marketing de réseau ne va pas se limiter à venir, je viens avec une personne, oh, la fête, là, ne marche pas, hein? Ta vision va changer. Ouais, ta vision va changer. C'est-à-dire, au lieu de prendre ça comme ton entreprise, les gens ne prennent pas ça comme de l'entreprise, hein? Ils prennent ça comme, bon, ils baissent leur, ils parrainent quelqu'un, il est là et puis regarde. C'est comme ça que beaucoup de personnes prennent le marketing des réseaux et le marketing d'affiliation. Si tu lis ça, pour comprendre que tu es en train, tu viens de créer ton entreprise à domicile, ta vision des choses va changer et tu comprendras ce que je te dis tout à l'heure. Si tu lis ça là, GoPro de Eric Worre, tu lis ça là. Là encore, tu vas voir combien de temps tu as gaspillé ton temps pour croire que tu es en train de faire du marketing de réseau et d'affiliation, mais tu ne faisais rien de tout ça. Ce que tu faisais là, ce n'est pas du professionnalisme. Donc on dit d'aller de façon professionnelle. Mais pour être professionnel, il faut quoi? Il faut structurer ton business. Il faut te faire respecter, même par l'état de ton pays. Il faut te faire respecter par ceux qui réglementent les choses dans ton pays. Quand eux-mêmes te rendent visite là, ils te respectent. Il faut lire ça. Et ta façon de faire le business, c'est un travail que tu es en train de faire pour laisser un héritage à tes enfants. Donc, tu ne rentres pas dans n'importe quel business, tu ne rentres pas dans n'importe quel réseau, ni dans n'importe quel système d'affiliation. Toi, tu es en train de créer quelque chose pour que demain, si tu n'es plus là, tes enfants puissent continuer de jouir de ton travail. Tout à l'heure, je vais vous montrer la liste des gens qui gagnent des millions de dollars par mois. J'ai dit des millions de dollars par mois depuis des années. J'ai commencé le marketing de réseau dans les années 2007-2008. Auparavant, j'aimais les placements d'argent. De 2003 jusqu'en 2008, les 5 ans là, j'aimais trop placement. Placer l'argent. Depuis 2008, j'ai compris qu'on peut gagner des millions avec le marketing de réseau, le marketing d'affiliation. Et depuis lors, je cherche à me former. Pour être quoi? Professionnel. Et Guy Mouron vous dira que ce qui compte dans votre travail, ce n'est pas le fait de travailler dur dans ton travail, c'est de travailler dur sur toi-même pour apporter plus de valeur sur le marché. Et deux personnes peuvent consacrer des heures dans la même entreprise, il y a un qui gagne plus d'argent que l'autre, alors qu'il consacre les mêmes heures, le même temps de travail. Mais pourquoi il y a un qui gagne plus que l'autre? Je pose la question. Nous tous faisons Crowan. Nous tous faisons les compagnies de réseau marketing. Mais pourquoi il y a des gens qui gagnent plus que d'autres? C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes et qui apportent plus de valeur sur le marché que d'autres. Vos réseaux marketing que vous faites là, il y a des leaders, si vous les enlevez de votre entreprise là, votre affaire s'arrête là. Alors vous m'avez compris, je reprends. J'ai dit, vos réseaux marketing, affiliation, marketing de réseau là, il y a des leaders. Si eux, ils arrêtent votre business là, si eux ne sont plus dedans, ils ne produisent plus de vidéos, ils n'expliquent plus,
une formule de conférence, votre entreprise la tombe en faillite dans votre pays, là, ça va s'arrêter là-bas. Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus dedans. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que ces gens-là, dans votre business, eux, ils apportent plus de valeur. Donc, Robert, commandant, Jim Rohn, un grand coach américain, te dit que pour réussir dans ta vie, il vaut mieux d'abord travailler plus sur toi-même que dans ton entreprise. Si tu travailles sur toi-même, le secret du succès, ce n'est pas en travaillant dur, mais en travaillant d'abord dur sur toi-même. Pour que tu puisses apporter plus de valeur sur le marché. Parce qu'on ne paye pas par rapport à ta durée de travail dans une entreprise, mais on te paye par rapport à la valeur que tu apportes. C'est pour ça que dans une entreprise, deux personnes qui travaillent dans une entreprise, qui vont à 8 heures, qui finissent à 18 heures, il y a un qui reçoit un salaire plus élevé que l'autre. Parce que l'autre, là, lui qui reçoit un salaire plus élevé, là, lui, il apporte plus de valeur à l'entreprise que l'autre qui ne gagne pas assez d'argent, alors qu'ils font les mêmes choses. Donc, on conclut que quand tu vas le réseau marketing, le marketing d'affiliation, si ça ne marche pas pour toi, c'est parce que toi, tu ne réussis pas à apporter plus de valeur à l'entreprise dans laquelle tu fais le marketing de réseau. Et par conséquent, tu ne reçois pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé sur toi-même pour t'apporter plus de valeur, pour apporter plus de valeur à l'entreprise. Donc, si tu vas lire, quand tu vas lire ça, là, ta manière de faire le marketing de réseau, l'affiliation, ça va changer. GoPro, il faut être professionnel. Dans tout, dans ton pays, dans ce que tu fais. Alphonse Kouassi, toi, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Alphonse Kouassi. Alphonse, tu sors beaucoup, tu rentres, tu sors. OK, je vais désactiver le... pour ne pas fatiguer les gens qui ont les oreilles sur leur casque. Qui ont le casque sur les oreilles, pardon. Excusez-moi. OK. Je suis en train de régler ça pour éviter les bruits qui vous fatiguent. Bien. Il y a une dernière chose que je vais vous dire. Quand vous gagnez votre argent dans le marketing de réseau d'affiliation, si vous n'avez pas pris des dispositions, les gens vont se moquer de vous. Et voilà, tu as parlé de ton Prawan, voilà, maintenant que tu marches, tu es là, tu es le plus misérable dans le quartier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'éducation financière pour gérer ce que tu gagnes comme argent. Si tu lis ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, tu ne peux jamais devenir totalement pauvre encore. Ton argent que tu auras eu là, tu sauras comment gérer ça. Même si tu as eu au moins 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vas savoir gérer ça. L'homme le plus riche de Babylone. Tu as sur Internet, pour voir ce livre-là. En PDF, tu peux lire. Et par-dessus tout, père riche, père pauvre. D'autres disent, mais ils n'ont jamais lu. Ils ont commencé à lire, ils ont arrêté. Robert qui vous a dit, père riche, père pauvre. Vous te dites que ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui donne beaucoup d'argent aux gens. Ce n'est pas le diplôme, mais c'est la valeur que tu vas apporter sur le marché. Et là encore, Robert Kiyosaki rejoint, Jim Rohn, en disant qu'il faut mettre sur pied un système qui travaille pour toi. Mesdames et messieurs, faire le marketing de réseau, c'est mettre sur pied un système qui travaille pour toi, même quand tu es absent. C'est de ça que Robert Kiyosaki dit ici. Tu mets sur pied un système qui travaille pour toi. OK, tu mets sur pied un système qui travaille pour toi. Faire l'affiliation, c'est mettre sur pied un système qui travaille pour toi. De sorte que, même si tu es absent, même si tu es malade, même si tu es en vacances, même si tu es en train de dormir, tu gagnes de l'argent. C'est la meilleure manière de vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes appelés à vieillir. Et tu ne peux pas durant toute ta vie échanger ton temps contre de l'argent. Allez, salaire, là, ton temps contre de l'argent. Et le jour où tu ne seras plus capable d'échanger ton temps contre de l'argent, tu vas tomber pauvre. C'est ce que les compagnies du monde entier font aux employés. On échange notre temps contre de l'argent, jusqu'à ce qu'un jour on vieillisse, qu'on soit
incapables de travailler, on nous met à la retraite, on diminue notre argent. On garde les micros fermés, s'il vous plaît. Bien. Est-ce que vous comprenez? Bien. Maintenant, pourquoi il dit tout ça? Il dit tout ça pour arriver à un objectif très précis. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, et partout en Afrique aussi, en général, je vous appelle aujourd'hui à vous organiser si vous voulez être respecté dans votre pays en tant qu'entrepreneur à domicile. Si vous voulez qu'on considère votre activité et que l'État ne paye rien dans votre activité, commencez à être professionnel, GoPro, commencez à vous organiser. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aide les gens à découvrir les métiers qui payent bien, tels que le marketing de réseau, le marketing d'affiliation et le e-commerce. Je suis obligé moi-même de me plier à cette façon de fonctionner. Donc voilà comment désormais je fonctionnerai en Côte d'Ivoire. De prime abord, mon entreprise est créée. En décembre, je commence mes activités de formation, de coaching, d'éducation. Et donc, quand tu viens chez moi, c'est que tu envisages exercer un métier d'affiliation ou un métier de marque de réseau dans une entreprise quelconque. Soit tu veux exercer ce métier d'apporteur d'affaires, soit tu veux l'exercer peut-être plus tard à Krawan, ou bien tu peux l'exercer plus tard avec Asira, ou bien tu veux l'exercer plus tard avec une entreprise de marque de réseau, de Forever Living Product, de Super Life, de quoi encore, de telle compagnie, tu veux l'exercer. Tu vas d'abord passer un mois avec moi pour apprendre d'abord le métier. Pour que tu sois quoi? Pour que, comme l'autre le disait, pour que tu sois professionnel. Je vais t'apprendre comment tu vas être professionnel. D'abord, je suis de formation commerciale. J'ai un diplôme en commerce. Il fait un plus pour moi. J'ai 8 ans d'expérience en entreprise en tant que technico-commercial. Et maintenant, j'ai entre 13 et 15 ans d'expérience en marketing de réseau. Donc, quand on met tous ensemble, je suis en mesure de te former et de dire que voilà comment le commerce traditionnel fonctionne, voilà comment on peut faire pour réussir là-bas. Voilà comment le marketing traditionnel fonctionne et voilà comment le marketing relationnel de réseau affiliation fonctionne. Voilà comment le e-marketing affiliation fonctionne. Voilà comment le marketing de réseau fonctionne et voilà comment ce qu'il te faut pour réussir dedans. Et moi-même, je suis un exemple, vous n'avez pas dit, je ne suis pas un exemple, je suis un exemple de succès en marketing de réseau, je suis un exemple de succès en marketing d'affiliation, vous ne pouvez pas nier cela. Oui, tu m'écoutes, oui, tu me suivez. Et je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour impacter, pour influencer. Notez bien ces deux mots-là. Tu ne veux pas influencer, tu ne veux pas réussir dans le marketing de réseau, tu n'influences pas. Si tu n'impactes pas, tu n'impactes même pas les gens. Comment tu veux réussir dans le marketing d'affiliation, de réseau marketing? Tu ne peux pas réussir. Il faut influencer. L'influence, c'est le leadership, selon Maxwell. Selon Maxwell, le leadership, c'est l'influence. Ni plus, ni moins. Vous voulez réussir en marketing de réseau, mais le leadership, c'est important. Le développement personnel, c'est important. Je vois des gens qui veulent réussir à Krawan, ils payent une formation, on leur donne la formation, ils ne prennent pas le temps pour lire. Non, moi, je suis venu pour gagner l'argent. Je n'ai pas besoin de me faire former. Laissez-moi rire. Et c'est ça qui vous rattrape. Vous êtes dans la zone de confort, vous voulez réussir dans Krawan, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas développé personnellement, vous voulez réussir, ça ne marche pas. Vous n'avez pas le mindset, vous voulez réussir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mesdames et messieurs.
Et donc, j'ai compris que, parlant de ma formation, j'ai compris qu'en Afrique, beaucoup de personnes croient être en train de faire le marketing de réseau, mais que non. J'ai compris que beaucoup de personnes croient être en train de faire l'affiliation telle qu'on doit le faire, croient, ça veut dire pour lui, pour elle. Acheter un pacte, c'est qu'il est en train de faire l'affaire. Non, l'acheter ne veut pas dire que tu es en train de faire. Or, d'autres, pour avoir inscrit leur nom dans une entreprise, ils vont dire, bon, tu sais, non, j'ai fait ça, je n'ai rien su décourager, j'ai fait ça, je n'ai rien su décourager, j'ai fait ça. Non, tu t'es inscrit, tu n'as pas développé. Faisons la part des choses. Et beaucoup d'entre vous, ils vont citer les entreprises. Depuis 2000 ans, j'ai fait ça, je n'ai rien eu, j'ai fait ça, je n'ai rien eu, j'ai fait ça, je n'ai rien eu. Mais la question est de savoir pourquoi dans la même entreprise, tu ne gagnes rien, qui existe toujours, des gens continuent de gagner de l'argent et toi, tu n'as rien eu. Tu as fait entreprise A, tu n'as rien eu. Entreprise B, tu n'as rien eu. Mais des gens gagnent l'argent et des gens, comme je dis, gagnent l'argent. Mais pourquoi eux gagnent, toi, tu ne gagnes pas? C'est parce que, un, tu ne connais pas le métier. Deux, tu ne fais pas ce qu'on doit faire. Trois, tu n'as pas le mindset de développement personnel qu'il faut pour être persévérant, pour être déterminé, avoir la rage de réussir. Et tu te plains des autres comme si c'est l'entreprise qui fait quelque chose, c'est toi. Mais les gens refusent de faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour ceux qui veulent aller de façon professionnelle, je mets sur pied une formation. Tu viens, tu payes un montant. Le montant que tu payes là, c'est pour ta formation. Mais dans ce montant qui est pour ta formation, je t'aide à avoir les papiers. Tous ces papiers-là. Régie de commerce, déclaration au CPC, pour avoir tous les papiers qu'il te faut pour travailler depuis ta maison, avoir quoi? Statut, règlement, si tu veux, tout ça. Je te permets d'avoir tout ça. Ce n'est pas fini, hein? Qu'est-ce que je me permets d'avoir? Est-ce que vous me suivez là? Comme beaucoup d'entre vous trouvez que c'est trop long, fatigant pour vous, écoutez-moi bien. C'est-à-dire, écoutez-moi bien. Mon cabinet, tu viens, tu payes la formation. Là, peut-être je parle aux nouveaux membres qui vont venir. Mais vous aussi, les anciens membres, vous êtes concernés. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'organiser votre business. Bien. Donc, notez bien ceci. Il y a un montant que chaque personne va payer. Dans ce montant, il y a beaucoup de choses que tu vas avoir. C'est un pack que tu payes dans mon cabinet. Et quand tu vas signer un contrat d'engagement. Voilà. Et dans ce montant que tu payes, tu gagnes tout ce qu'il te faut pour réussir de façon professionnelle ton business. Et voilà ce qui sera dans le pack de formation. Quand tu payes, d'abord, un, dans cet argent, tu vas payer. Tu as ton entreprise qui est constituée. Je travaille avec un cabinet juridique. Donc, dès que tu déposes tes dossiers, ton régime de commerce est fait. Le CPC s'est enregistré. Et tu as le document qui que l'État de Côte d'Ivoire reconnaît. Que tu es un entrepreneur indépendant, un affilié indépendant, un commercial en freelance. Qui travaille depuis sa maison. Comprenez, tu as ça. C'est-à-dire ce que je viens de te montrer là. Ce que je viens de te montrer là. Toi aussi, tu as ça. C'est-à-dire que tu vas payer les impôts sur tes revenus. Peut-être impôts synthétiques. Ça fait un. Dans ce que tu as payé comme argent. Ce n'est pas grand somme d'argent, vous allez voir tout à l'heure. Deuxième chose que tu as la formation selon la liste suivante. Tu es formé en e-commerce. Pour dire ce qu'on appelle le e-commerce. Et comment on peut réussir en e-commerce. Tu as cette formation. Ça fait la deuxième chose que tu as. Tu as la formation en marketing de réseau. On te forme en marketing de réseau. Pour que tu saches comment on fait le marketing de réseau. Qu'est-ce qu'il faut pour être professionnel. Voilà que les gens veulent avoir des millions dans un métier. Mais ils ne veulent pas se faire former. Et après, ils s'en prennent aux gens. Alors que c'est vous-même qui êtes le problème. Donc, je te forme. Durant un mois,
Ça fait trois, n'est-ce pas? Quatrième chose. Je te forme dans le marketing d'affiliation. Dans le marketing d'affiliation. Pour lui sache, en fait, qu'est-ce que le marketing d'affiliation? Et hormis Crowan, s'il n'y a pas Crowan demain là, comment tu peux faire le marketing d'affiliation sans Crowan? Comment tu peux le faire avec Amazon? Comment tu peux le faire avec Alibaba? Comment tu peux le faire avec Jumia? Comment tu peux le faire avec ClickBank? Comment tu peux le faire avec eBay? Avec Dromadaire? Je t'apprends ce métier-là. Les bases, les fondamentaux de ce métier, que beaucoup ne connaissent pas, ils sont dans Crowan, ils ont pris ça comme marketing de réseau. Parce que c'est marketing de réseau que les Africains connaissent. Ils sont à côté. Et maintenant, on vous demande, dans ton marketing de réseau, là, pourquoi la compagnie n'a pas de produit? Tu ne peux pas expliquer. Mais voilà. On dit, mais ton produit, ton affaire, là, c'est du Ponzi. Il n'y a pas de produit. Tu dis, non, mon compagnie n'a pas de produit. Quelle compagnie de réseau marketing n'a pas de produit? Vous voyez que ça coince. Ça coince. Parce que beaucoup ne savent pas, ils sont dans un système d'affiliation. Ça fait quatrième chose que je te donne. La cinquième chose, c'est la chose que sans laquelle, même malgré ta formation, tu ne peux pas t'en sortir dans le marketing de réseau. Tu sais ce que c'est que le marketing de réseau, mais tu échoues. Tu sais ce que c'est que l'affiliation, mais tu échoues. Parce qu'il te manque la clé qui est le développement personnel, qui est le leadership. Je vais te montrer les clés qui peuvent t'aider à développer ton business avec succès. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes qui ne savent pas. Non, je fais, mais ça ne marche pas. Moi, quand je fais, là, c'est, les libéraux, là, ça m'a éprouvé. Mais pour nous autres, nous sommes les premiers. Nous, quand on est derniers, ce n'est pas affaire des derniers. Donnez-moi n'importe quel business. Je rentre aujourd'hui. Ça fait un an, deux ans. Je vais gagner de l'argent dedans. Pourquoi? Parce que je connais la clé. Ou bien certaines clés. Je ne m'estime pas maîtriser tout, que je connais tout. Non. Mais je sais, moi, Kwasi Lambert, sur quoi je vais agir pour réussir. Ce que toi, tu n'as pas. Et ce que tu dois t'apprendre. Ça fait cinq choses. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, dans le mois de décembre, je lance cela et cela vous coûte 250 000 francs CFA. Et j'oubliais, non seulement vous êtes formés, mais vous avez à votre disposition une salle de conférence physique, une grande salle pour en prendre 100 personnes que je gère depuis presque deux ans maintenant. Une salle de conférence climatisée, avec des tables pour t'asseoir et travailler. Vous comprenez? Et en plus de cela, je mets à la disposition une salle Zoom pour comprendre, pour que tu expliques encore en détail. Et donc, ceux qui auront accès à ma salle de conférence physique en tant qu'Ivoirien, c'est ceux qui ont leur registre de commerce et qui sont déclarés aux impôts. C'est ceux-là qui viennent dans ma salle de conférence. Parce qu'on va se parler en tant que des professionnels. Fini le travail de désordre anarchique. Je vais travailler avec des professionnels. Donc, quand je dis que Lambert Kwasi organise une conférence, tous ceux qui sont passés par moi pour être professionnels, j'ai leur liste. Ils se sont inscrits. J'ai leur liste. Ils ont fait leur registre de commerce. Ils sont déclarés aux impôts, à l'impôt synthétique au moins. Et ce sont des professionnels. On parle entre nous professionnels. Nous parlons entre nous des professionnels. Et j'ai une salle de conférence pour ça. Et si l'État de Côte d'Ivoire me rend visite, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont au contraire me féliciter de ce que j'organise les gens, de ce que j'assainis les choses, de ce que les gens apprennent un métier et ils exercent ce métier. Est-ce que vous savez que pour l'État de Côte d'Ivoire, il y a des budgets qu'on donne pour former les gens, mais souvent, les gens ne reçoivent pas la formation adéquate même. C'est-à-dire, l'État consacre un budget pour former les gens, les jeunes, pour les faire sortir du manque d'emploi. D'autres, on leur apprend à apprendre à coudre, à faire la couture, d'autres à faire la mécanique. Mais il y a des budgets pour ça. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, revenons à l'activité elle-même. Que dans aucun État, même en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que le métier de marketing de réseau ou d'affiliation soit un métier d'escroquerie, ni de e-commerce d'escroquerie. Voilà les trois choses que je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre maintenant, vous démontrer maintenant par A plus B, pourquoi faire du e-commerce, ce n'est pas de l'arnaque. Pourquoi faire du marketing de réseau, ce n'est pas de l'arnaque. Pourquoi faire de l'affiliation, ce n'est pas de l'arnaque. Et si je me propose
de former des Ivoiriens, on ne peut pas me condamner pour que je sois de former pour apprendre un métier qui donne la vie, qui aide à vivre. Mais dans un cadre bien organisé. Ceux qui ont accès à ma salle, ce sont des gens professionnels qui ont décidé de payer les impôts sur ce qu'ils gagnent chaque année. Maintenant, comme c'est difficile pour vous de payer ce montant, pardon, de faire cela, on va vous aider à le faire. Et vous faites d'une pierre deux coups. Peut-être, je dirais cinq coups. Vous payez la somme de 250 000 francs CFA. Et j'oublie un élément important, un sixième élément. Nous, c'est nous, nous-mêmes. Quand tu as payé ton argent, on t'a formé, on t'a fait tout. C'est nous-mêmes, on t'inscrit dans une entreprise. Vous avez compris ça? C'est nous-mêmes, on t'inscrit. Dans l'argent que tu as payé là, que nous on a reçu qui est pour la formation là, ce n'est pas pour t'inscrire dans une entreprise. L'argent que tu payes, les 250 000, c'est pour ta formation. Mais en même temps que nous on te forme, qu'on te coach et qu'on fait des papiers légaux pour travailler en Côte d'Ivoire en tant qu'un affilié indépendant, en même temps, mesdames et messieurs, on t'inscrit dans un bilan de ton choix. On te demande, tu veux faire la pratique. On a fait la théorie durant un mois. Vous retenez bien ce que je dis? On a fait la théorie durant un mois. Tu as pris note. On a fait passer des moments avec d'autres personnes. On a échangé sur les sujets du marketing de réseau d'affiliation. On t'a formé sur tous les trois là. E-commerce, affiliation, marketing de réseau. Maintenant, quand les un mois sont finis, on dit, monsieur, voilà des entreprises de marketing de réseau qui ont des produits réels, qui ont des services réels et qui vendent. Et si tu les aides à vendre, tu gagnes de l'argent. Tu choisis quoi? Parmi les trois là, on te proposera une entreprise de e-commerce qui dit que si tu m'attires des clients sur ma boutique, je te paye. Tu veux e-commerce? Ok, on t'inscrit dans l'entreprise de e-commerce. Tu ne débourses rien comme argent encore de nouveau. Tu ne débourses pas une nouvelle somme d'argent. On t'inscrit pour que tu passes faire la pratique. Et quand tu as fait la pratique, tu as déjà ton registre de commerce. Si tu commences à gagner de l'argent, ce que tu as promis de payer à l'État de Côte d'Ivoire, tu verses l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. On appelle ça quoi? Être organisé et être professionnel. Et se faire respecter par l'État de ton pays. Ça fait un. On te demande, tu dis non, moi je veux faire du marketing d'affiliation. On dit ok, voici des compagnies de marketing d'affiliation qui ont des produits réels que tu peux les aider à attirer du trafic, de la clientèle pour eux, pour elles. Tu choisis laquelle des compagnies. Tu dis bon, je choisis telle compagnie. On dit bon, ok, tu ne payes rien. Le cabinet qui t'a formé va t'insérer dans une entreprise réelle où tu vas appliquer ce que tu as appris avec nous. Tu peux dire, non, moi, je veux une compagnie de marketing de réseau. Tel que tu l'as expliqué, tel que j'ai été formé, je me rends compte qu'il serait plus performant dans le marketing de réseau que dans le marketing d'affiliation. OK, sans que tu ne payes rien du tout, on t'inscrit dans une de ces compagnies. Vous allez me demander quel montant. Je ne vous dirai pas le montant. Mais chaque personne sera inscrite au moins avec le minimum de pack qui existe dans cette entreprise. Si après toi, tu peux aller augmenter, faire mise à niveau, upgrade, ça c'est ton travail, ça ne nous intéresse pas. Nous-mêmes, c'est dans notre agent de formation que nous, on a pris pour faire tout ça, faire tes papiers, faire ta formation dans une salle climatisée où il y a la climatisation, faire comment on appelle ce truc-là, te former, te coacher, te développer et en même temps, t'inscrire dans une entreprise où c'est payant. Mesdames et messieurs, voilà ce que mon cabinet Rotralit désormais s'engage à faire pour la population ivoirienne, pour ceux qui veulent professionnaliser leur business. Maintenant, tel que je viens de le décrire, des gens ne souhaiteraient pas peut-être fonctionner comme ça. Ils veulent fonctionner sans que l'État ne comprenne leur business. Vous ne m'intéressez pas. Ou bien vous ne pouvez pas venir à mes conférences. Si tu es ivoirien, que tu ne rentres pas dans ce cadre, quand Lambert Kouassi lance une formation pour les professionnels sur le marketing d'affiliation en parlant d'une compagnie personnelle réelle, toi, tu n'es pas accepté dans la salle.
de conférence Zoom, à moins que tu sois un étranger, un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Là, tu peux rentrer dans la salle. Maintenant, ça, c'est quand on est sur Internet. Maintenant, quand on est en salle physique, là, c'est facile à contrôler. Tu rentres, monsieur, dans la salle, il y a quelqu'un qui est à la porte. C'est ceux qui sont inscrits en tant que des entrepreneurs, des vrais rotraliders, c'est le thème, des rotraliders, c'est ceux-là qui ont accès à la salle pour suivre la formation et la pratique. Et eux-là, ils peuvent venir dans notre bureau, rentrer, sortir, quand ils veulent. Besoin d'encadrement pour le business dans lequel tu as été inscrit, on est là pour t'encadrer. Besoin de compréhension, on est là pour t'aider à comprendre. Vous payez les impôts. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, un jour viendra où l'État de Côte d'Ivoire dit donc, cette entreprise, on va l'aider plus à aider les jeunes à se créer des emplois. Parce que, mesdames et messieurs, quand vous prenez Crowan, c'est une entreprise dans laquelle tu viens de travailler en tant que freelance, en freelance. Tu attires des clients pour une entreprise qui te paye. Le problème de Crowan en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu de l'incompréhension. De deux, problème de réglementation. De trois, problème de non-paiement de vos impôts, de nos impôts. Voilà le problème réel. Pour avoir mal compris et mal expliqué, ça a été présenté comme une entreprise dans laquelle on vient investir de l'argent pour avoir de l'argent. Pourtant, ça n'a rien à voir. Je vous explique qu'un white peut gagner de l'argent plus qu'un titanium. Oui, un white peut gagner de l'argent plus qu'un titanium pro. Mais ce n'est pas le pack qui te donne beaucoup d'argent mensuellement, ni dans le réseau. Bien, maintenant, je vais vous présenter succinctement comment on va fonctionner, par exemple, comme vous voyez, c'est le jour de Crowan. Comment on va fonctionner si on doit présenter Crowan dans ma salle de conférence désormais en ligne? Voilà comment je vais procéder désormais. C'est-à-dire, vous venez rentrer dans la salle de conférence tous les samedis à 10h. Et puis, je dois présenter Crowan. Mais je ne vous présente pas Crowan directement. Je vous présente tel que je viens de vous présenter là. Mesdames et messieurs, je suis Lambert Kouassi. J'ai un cabinet qui aide la jeunesse à lutter contre le chômage, mais dans un cadre bien organisé, bien réglementé. Tu veux travailler avec une entreprise de marketing d'affiliation de réseau? Tu dois d'abord créer ton entreprise, t'enregistrer. Et je vais te montrer un peu ce sur quoi tu vas travailler pour gagner plus d'argent à l'infini. À l'infini veut dire que le travail que tu vas faire là, et puis je vais te montrer une seule commission qui peut t'enrichir année sur année. Et si cette seule commission-là ne dépend pas d'un montant élevé que tu dois payer. Donc, je te dis, plus tu attires des clients pour l'accompagner, plus tu es payé. Si tu n'attires pas des clients, tu n'es pas payé. Et voilà comment je procéderai. Voilà comment je procéderai. Je commence d'abord par te montrer ceci. Je te montre d'abord ça. Il dit, monsieur, madame, dans le monde entier, il y a des gens qui ont appris un métier et qui sont lycés sur Business for Home. Voilà ce qu'ils gagnent par mois. Les top earners. Le même travail qu'ils viennent t'apprendre, que tu apprennes en Russie, en tant que cabinet de formation pour les métiers, lui, il s'appelle Igor. Ils sont deux et Andrea. Eux gagnent à eux seuls, un couple, 2 600 000 dollars par mois. Ils font quoi? Du marketing de réseau et du marketing d'affiliation. Ça ne vous dit rien, ça? Un être humain comme vous, ce métier ne vous intéresse pas d'être professionnel pour apprendre comment faire cela? Eux, ils font ça. La deuxième personne, Ivan Monica, gagne 1 500 000 dollars par mois. Jenna, 1 600 000 dollars par mois. Ça fait 1 million, ça fait plus d'un milliard, hein, ça fait plus d'un milliard. Ça fait plus de 900 000 francs CFA. Plus de 900 millions de francs CFA, pardon, etc. Regardez ces montants qui sont là. Ce sont des milliers de dollars qu'on donne à des êtres humains par mois pour avoir fait quoi? Pour apporter de la clientèle à une entreprise. Donc, l'Internet aujourd'hui te permet de rester dans ton pays et de travailler pour des entreprises à distance, faire du télétravail, de l'affiliation, du marketing de réseau, peu importe, pourvu que l'entreprise ait des produits réels.
Et tout ça, regardez là, sur 50 personnes, ce sont des milliers de personnes, hein. Ce n'est pas seulement 100 personnes, ce sont des milliers et des milliers, des milliers et des milliers de personnes, d'êtres humains sur la terre, qui travaillent à domicile, depuis leur maison, et qui ont des salaires. On appelle ceci « business for home », le travail à domicile, business que tu fais depuis ta maison « for home ». Est-ce que vous comprenez ça, mesdames et messieurs? Et c'est cela que, dans vos pays africains, c'est à ça que vous devez vous organiser pour pouvoir travailler de façon professionnelle, pour que vous fassiez respecter par l'État de votre pays, pour ceux, pour par les impôts, par qui que ce soit, pour que vous fassiez respecter. Hein? Aucun État ne peut vous empêcher de travailler, d'être dans la réglementation normale et de vous faire de l'argent. On ne peut pas vous empêcher de le faire. Mesdames et messieurs, si on ne peut pas empêcher un commercial de travailler dans une entreprise traditionnelle, d'apporter des clients de ce vrai pays, toi, on ne peut pas t'empêcher de travailler chez toi en freelance et d'attirer des clients pour une entreprise de marque de réseau ou bien de marque traditionnelle. On ne peut pas t'empêcher. Le problème, c'est l'organisation. De l'organisation. Et c'est ça, à ça que mon entreprise va répondre pour beaucoup d'Ivoiriens qui le souhaitent. Vous avez compris ça? Bien. Maintenant, comment je vais te présenter désormais? Je vais te présenter Krawan, n'est-ce pas? Mais je ne te présente pas Krawan, je te présente d'abord le métier. Donc, quand tu viens à ma conférence, que tu n'es pas encore accepté de te conformer à la réglementation, à la manière de fonctionner selon le principe que nous, on s'est imposé, voilà ce que nous, on te dit. Je dis, monsieur, voilà, il y a des métiers. Je viens de montrer la liste des gens qui exercent un métier qui sont bien payés chez eux à la maison. Mais c'est un métier, ça s'apprend comme on va à l'école, on apprend un métier de couturier, de taille, de comment on appelle, d'informaticien, de comptable, d'enseignant. C'est un métier qui est comme tout autre. C'est là, on dit GoPro, un professionnel, GoPro. Vous comprenez? Maintenant que tu as compris c'est un métier, on va te dire qu'on va te montrer des entreprises dans lesquelles, depuis ta maison, tu vas travailler pour, comme apporteur d'affaires, comme un commercial en freelance qui travaille de façon indépendante. Mais tu es dans un pays, et ce pays-là veut que tu payes les impôts. Si tu gagnes 1 million, tu dois payer des impôts pour ça. Et donc, on va te montrer ces entreprises, et à toi de choisir celle qui te sied. En ce qui concerne la compagnie de e-commerce, je peux vous montrer, par exemple, cette compagnie qui est là, qui s'appelle Asira. Et qui fait quoi? Qui est dans le domaine du e-commerce. Il va vendre des billets d'avion, des frais d'hôtel, des croisières, pour que vous puissiez le faire. Qui fait de la formation en ligne, e-learning, tu peux gagner l'argent, la compagnie fait ça. Sur sa boutique, il y a le effet du réseau social, comme Facebook, vous gagnez l'argent dans le réseau social. Elle fait la vente directe, tu gagnes l'argent. Elle fait de la formation en ligne, tu peux gagner l'argent, tu peux apporter des clients. Elle est dans l'hôtellerie, dans le tourisme, tu gagnes l'argent sur ça. Elle est dans le e-commerce, tu gagnes l'argent sur ça. Et bien, elle te paye. Donc, ça te plaît d'être sur une plateforme de e-commerce qui attire du monde et qui vend? Tu dis non, oui, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Okay. Et on te dit que chaque fois que tu vas exercer ce métier et que tu vas attirer des clients pour la compagnie, pour les voyages et autres, et tout autre produit, alors il y a des commissions qui te donnent l'argent. Tu peux te faire l'argent de 9 différentes manières. Et on ne rentre pas dans les détails. Tu peux te faire l'argent sur les clients directs, les gens qui ne sont pas des hommes d'affaires mais qui payent des billets d'avion, des hôtels, tu gagnes l'argent. Tu peux gagner l'argent sur les hommes d'affaires, tu peux gagner l'argent sur ton équipe personnelle, sur le fait qu'il y a des gens qui sont dans ton équipe. Tu peux gagner l'argent mensuellement, maquis bonus, bonus quand tu atteins des rangs, on te donne un montant, tout cela. Mais en attirant des clients pour l'accompagner, tu veux le faire? Bon, tu dis non, moi le marque de réseau ne m'intéresse pas. Ok, c'est pas grave. Voilà une autre compagne qui s'appelle Krawan. Cette compagnie a des produits réels. Et je te montre ces produits d'abord. Et c'est ce que je fais. Je montre ce que tu vas faire comme travail pour gagner l'argent. Je ne viens pas de dire non, tu viens, tu déposes l'argent. Je n'ai pas partagé l'écran, tout cela c'est zéro, excusez-moi.
Ah, dommage. Excusez-moi, il devrait partager l'écran, je n'ai pas partagé, excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, je te présente une compagne, Krawan. Il dit, bon, voilà Krawan. C'est une compagne qui va te donner de l'argent, si et seulement si tu l'aides à attirer des clients pour ses produits qui sont les suivants. Et voilà les produits. Tu peux aller chez toi à la maison, travailler en ligne pour gagner l'argent depuis ta maison. Et je te montre ses produits. Il dit, monsieur, madame, moi, je t'ai formé dans mon cabinet pour que tu apprennes à attirer des clients en ligne pour une entreprise. Voilà une entreprise du nom de Krawan où tu viens pour être apporteur d'affaires. En tant qu'apporteur d'affaires, c'est ce que fait un commercial qui attire des clients pour une entreprise. On lui paye des commissions. Si le commercial n'attire pas des clients, on ne lui paye pas des commissions. Toi aussi également, depuis ta maison, tu travailles en freelance, en affilié. Si tu attires des clients pour la compagnie qui a des jeux de divertissement, tu gagnes de l'argent. Tu attires des clients pour la compagnie qui vend la formation e-learning en ligne, tu gagnes de l'argent. Tu attires des clients pour des gens qui payent des hôtels en ligne, tu gagnes de l'argent. Est-ce que ça te va, ça? Là, tu travailles sur Internet depuis ton portable. Tu peux le faire sur ton portable pour attirer de la clientèle? Tu dis oui, je peux le faire. Et dans la formation qu'on va t'apprendre, on t'apprendra comment toi, depuis ta maison, tu peux rester sur Internet, même peut-être même croire sur la Côte d'Ivoire pour attirer des clients à l'international pour ton business. Oui, je dis bien, tu peux mettre la croix sur ton pays et puis attirer des clients au-delà de tes frontières, de ta frontière ou de tes frontières pour attirer des clients pour cette compagnie de Krawan et te faire de l'argent. Là, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire, c'est une affaire d'international. Nous t'apprenons comment tu peux cibler d'autres marchés pour pouvoir attirer des clients qui vont sur Internet et qui vont avoir accès à ta boutique pour qu'ils viennent acheter et que la compagnie se rende compte que c'est grâce à toi que les clients ont fait des achats et ont te rémunéré pour ça. Ou bien, tu veux faire du e-commerce, on te montre cette compagnie. Cette compagnie qui a des produits de e-commerce. Cette compagnie s'appelle Asira. Elle est dans le domaine du e-commerce. On t'aura déjà formé dans le e-commerce. Donc, quand on parle de e-commerce, tu sais que sur le e-commerce, en e-commerce, on peut vendre des produits digitaux. On peut vendre des produits virtuels. On peut vendre des produits physiques. Quand on parlait sur Amazon, Amazon a des produits digitaux, des produits virtuels, des produits physiques. Et nous, on t'aura appris comment, en tant que celui qui fait du e-commerce, comment appliquer ce qu'on appelle le marketing digital pour attirer des clients pour une entreprise. On t'aura appris ça. Parce que nous, notre but, on n'est pas là pour te former pour une entreprise quelconque. On est là pour t'apprendre un métier. Et quand tu as le métier, nous-mêmes, on sera payé pour toi dans une entreprise pour dire, voilà, ton back-office commence à exercer le métier que tu as appris chez nous. Maintenant, si toi, tu veux augmenter le montant pour avancer, là, c'est ton problème après. Nous, on t'aura formé, on t'aura aidé, on t'aura coaché, on t'aura développé et on t'aura inscrit, on t'aura organisé pour que tu puisses payer tes impôts en tant que celui qui travaille depuis sa maison. Pour avoir payé que 250 000 francs CFA seulement. Tu as tout ça. Tu as tous les papiers au complet. Tu as un bureau qui est notre local où tu peux venir faire des conférences, où tu peux aussi aider les gens à découvrir le business et qui vont se plier à nos exigences. Ça fait deuxième compagnie. Tu veux faire une compagnie de réseau marketing? OK, ce n'est pas grave. On peut te montrer une compagnie dans laquelle tu peux rentrer aujourd'hui et tu peux développer un binaire. Une compagnie qui a des produits réels, des produits de bien-être et qu'en consommant ces produits réels, tu peux commencer à te faire de l'argent. C'est-à-dire en commercialisant, il veut dire en faisant la promotion de ces produits, de réels, des produits naturels qui sont très efficaces pour ta santé, tu commences à te faire de l'argent. Et donc, la compagnie dit ceci. Si toi, tu m'attires des clients et que dans ton équipe, ça génère des points, les points te donnent de l'argent. Par exemple, regardez ici. Chaque fois que dans ton équipe binaire, qui va à l'infini, chaque fois que tu as 1000 points à gauche, 1000 points à droite, il te donne 10 800 francs CFA. Ton réseau développe, les deux là sont rentrés. Sur eux, tu as eu 10 800. Dans le binaire, je n'ai pas dit que tu as parrainé des gens. Tu es dans un réseau, même si ce n'est pas tes filleuls, mais c'est toi, grâce à toi, que le réseau a commencé et le réseau est en train de se tendre à l'infini.
et ça génère des points, tu gagnes l'argent. Ici, chaque fois, tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes. Est-ce que tu veux développer un réseau ou plus ton réseau de marketing en train de conquérir des marchés importants où les gens achètent des produits physiques réels, ils consomment, tu gagnes 10 800, 21 600, 43 000. Ce palier donne 43 000. Le total fait 75 600. C'est-à-dire depuis que tu es rentré, quoi. Hein? 345 600. Hein? 695 000. 256 personnes rentrent sur ce niveau 8. Tu as 1 382 400. 2 millions, 5 millions. Et pourquoi? Parce qu'il y a des produits physiques qui sont vendus. On était à une salle de travail et on dit que dans le marque de réseau, ce qui est gênant, c'est le fait que c'est ce qui est incompréhensible chez beaucoup de personnes. Hein. C'est-à-dire, elles se disent, et c'est un élément important dans votre pays, vous qui m'écoutez, dans votre pays africain, là, écoutez-moi bien. Ce qui gêne les gens qui sont habitués au commerce traditionnel, ce n'est pas le fait que quand je fais une vente, on me paye. C'est le fait qu'on me paye sur plusieurs générations. C'est ce qui est gênant. Maintenant, comment répondre à cette préoccupation? On vous le dira dans la formation, mais je vous le dis ici à vous qui êtes dans la salle. On vous demande, si tu envoies un client à un supermarché, c'est normal que le supermarché te donne une commission. Mais ce que nous, on ne comprend pas, ou bien ce qui n'est pas compréhensible, c'est le fait qu'on te paye sur le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6. C'est ce qu'on trouve que c'est pyramidal. C'est ce qu'eux jugent pyramidal. C'est ce qu'eux jugent que c'est de la nacre. C'est ce qu'ils jugent que c'est du vol. Maintenant, comment tu vas répondre à une telle préoccupation si tu es confronté à une telle objection? Dis, monsieur, en tant que dans le commerce, quand tu envoies un client à un supermarché, on te paye. C'est normal. Mais ce qu'eux ne comprennent pas, quand d'autres clients viennent après, ton client que tu as envoyé, quand lui, il envoie d'autres clients, pourquoi on doit te payer encore là-bas? Tu vas répondre comment à cette préoccupation? Tu réponds comment? Dans notre formation, on préparera les gens à tout ça. Tu vas traiter toutes les objections. Pyramidal, ce sera ce que c'est. Donc, tu ne vas pas te laisser distraire par des ignorants qui te parlent des systèmes pyramidales. Ponzi, tu vas dire, tu vois, c'est ce qu'on appelle Ponzi. Quand tu es devant quelqu'un, il parle, quand tu démontres par A plus B, puis le live te regarde. Il dit, ah, il sait de quoi il parle, il connaît son métier. C'est ce qui fait que votre affaire ne marche pas, parce que vous êtes devant des gens qui sont ignorants, qui croient connaître, et qui disent des choses auxquelles vous croyez vous-même. Parce que vous n'avez pas de formation. Il dit, ton affaire là, c'est pyramidal. Tu réponds comment? Parce que c'est pyramidal parce que tu es rentré, d'autres viennent rentrer et tu gagnes l'argent. Sûr. Comment tu réponds à ça? Voilà la vraie réponse, mesdames et messieurs. Et c'est ça qu'on va, mettre fin à cette présentation. C'est ça qu'on va mettre fin aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Vous avez compris l'essentiel de notre rencontre, n'est-ce pas? Mais on répond à cette préoccupation. C'est parce que le marketing relationnel de réseau est différent du marketing traditionnel. Dans le marketing traditionnel, l'entreprise qui vend son produit a mis sur pied un circuit de distribution. Donc, et c'est elle qui vend. Ce ne sont pas des gens qui l'aident à vendre. C'est elle qui vend. Et c'est elle qui communique. C'est elle qui met sur pied un circuit de distribution dont on va aller directement payer chez elle. Elle n'a pas besoin de passer par M. A, M. B, M. C pour qu'on vende ses produits. Elle a des commerciaux qui sont à sa disposition qui vendent. Donc, c'est la compagnie qui vend. Même si ce sont les commerciaux qui vendent, mais c'est la compagnie qui vend. C'est comme ça qu'elle estime. Et pour ça, elle soit des frais de salaire mensuels. Elle doit payer les, comment on appelle, pour la communication, les régies publicitaires, mais sur une politique de communication, elle doit payer beaucoup d'argent pour ça. Elle doit payer aussi, comment on appelle, mettre sur pied des grossistes, des demi-grossistes, des détaillants, tout ça pour travailler, n'est-ce pas? Bien. Donc, dans un tel contexte, on n'a pas besoin de créer un réseau à palier multiple. Mais dans le contexte, écoutez bien, où moi, entreprise, je dis que ce n'est pas moi qui dois vendre. Je donne l'opportunité à des gens d'être à la fois des agents commerciaux, entre guillemets, d'être à la fois des agents de communication pour moi, puisqu'une entreprise de marketing de réseau ne fera jamais de publicité à la télévision, ni à la radio, ni sur les panneaux publicitaires. Donc, ce n'est pas son travail. C'est le travail de qui? C'est mon travail. Deuxième chose,
La compagnie ne vend pas directement à des gens. Elle ne peut pas l'acheter chez la compagnie. Pourquoi? Sinon, elle va concurrencer ses propres réseauteurs. Si tu nous concurrences, mais faut faire des ventes alors. Tu nous prends pour qu'on développe le réseau et on fait la communication. Les clients viennent et tu leur vends les produits à compagnie. Donc, on ne veut plus faire ton réseau marketing. Non, ça n'a pas de sens. Donc, si c'est grâce à moi, écoutez-moi, c'est là la réponse à la question. Puisqu'on dit pourquoi on nous paye sur des paliers. Si c'est grâce à moi que par ma communication, par mon coaching, que deux personnes sont entrées dans le business et que par mon coaching, je les ai formées, je les ai coachées, je les ai développées par mon leadership pour leur montrer comment on fait le travail. Dès lors, ils deviennent comme mes commerciaux. Et donc, mes commerciaux m'ont aidé à avoir d'autres commerciaux. C'est normal qu'on me paye. Et ces deux commerciaux que j'ai formés, eux aussi vont aider d'autres commerciaux à découvrir l'affaire, à développer. C'est normal qu'eux aussi, on les paye. Voilà la réponse qu'on peut donner à cela. Donc, la compagnie n'a pas intérêt, un, à vendre directement puisqu'on est en marketing de réseau. Et puis, elle n'a pas intérêt, les gens n'ont pas, elle a le devoir de nous payer. Parce que c'est grâce à moi que ce réseau-là est devenu grand, qu'on appelle branche commerciale. J'ai développé une branche commerciale dans laquelle il y a des consommateurs et des vendeurs. Toute personne qui vient faire le réseau marketing est d'abord un client pour la compagnie. Parce qu'elle achète d'abord le produit. Et elle achète le produit avant de la recommander. Donc, dès lors qu'elle achète le produit, elle est mon client. C'est normal que je me paye sur cette personne encore. Mais c'est grâce à moi que ce réseau est né. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois avoir été très clair. Et je vous ai dit comment on va fonctionner désormais. Donc, je récapitule. Tu es en Côte d'Ivoire. Quand tu viens à mes conférences désormais, tu peux venir assister. Mais je ne te présenterai pas Crowan en détail. Je ne te présenterai pas un réseau marketing en détail. Je te dis que, voilà, telle compagnie, elle est dans le e-commerce, elle attire des clients. Tu lui attires des clients, tu peux payer. Je m'arrête là. Voilà comment on appelle telle compagnie. Elle est dans le e-commerce. Je te montrerai comment le e-commerce marche. Donc, dans mes conférences, je parlerai de e-commerce. Et je montrerai des compagnies de e-commerce dans lesquelles on peut se former pour attirer des clients et se faire payer. Je parlerai de la filiation. Qu'est-ce que la filiation? Je vais expliquer ce que la filiation c'est et comment tu peux devenir un affilié et attirer des clients pour une compagnie quelconque, n'importe laquelle. Je peux te montrer comment faire le e-commerce, comment faire le marketing de réseau. Je te montre ça. Maintenant, si tu veux être formé, t'organiser, tu viens maintenant à la formation. C'est quand tu es formé et que tu veux exercer le métier là maintenant que moi, je vous une salle de conférence physique où tu viens pour te former, où je te présente. Voilà comment tu vas réussir à cette compagnie. Là, on est dans la phase pratique. Et encore là, tu ne payes plus rien. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci pour votre attention, pour la qualité de votre écoute. Et je tiens à vous remercier. On va passer aux questions. S'il y a des questions, on va répondre à ces questions. Merci beaucoup.